strong at heart, but we're still dreaming. Wide open, leave this place behind, no matter what they say. Eh bien salut à toutes et à tous, l'aime compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Madventure. Je suis dans la salle à mob actuellement puisqu'il me fallait un petit peu des ficelles, vous allez comprendre pourquoi. Par la suite, on va ressortir d'ici, bon vous reconnaissez l'endroit, hein. C'était du coup notre première base, première maison hein, bien sûr. Alors, un petit peu nostalgique, pourquoi? Parce que vraiment je décide que notre vraie nouvelle base sera donc bel et bien là-bas. Et j'ai commencé à faire pas mal de petites choses, je vais vous montrer. Pour être honnête avec vous, j'avais tourné une vidéo mais du coup elle n'est jamais sortie parce qu'elle n'avait pas grand intérêt. Voilà, elle n'avait pas grand intérêt, donc je suis en train d'en refaire une nouvelle. Grand merci à OMG Serve comme d'habitude pour le serveur, vraiment 5% de réduction avec le lien en description, n'hésitez pas, que ce soit serveur Minecraft, également Starbound, Bumble, TeamSpeak et les VPS également. Bon rapport qui a été pris, vous connaissez OMG Serve. On va faire pas mal de choses dans cet épisode, que ce soit par rapport à notre nouvelle maison, mais également par rapport aux avancées des acolytes, parce que vous allez voir c'est incroyable. J'ai enlevé la table d'enchantement qui était là puisque je l'ai décalée là-bas. Et puis voilà, tout simplement, voilà, on va sortir directement. Hop, alors il pleut, hein, c'est un petit peu ennuyeux la pluie, j'ai envie de vous dire. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas y faire grand chose. Surtout que Roros actuellement sur le serveur, il a l'air d'être AFK hein, donc on pourra pas passer la nuit, c'est assez terrible. Mais regardez juste par contre, là il y a une montgolfière qui a été ajoutée. La base de Théo Camillo, regardez, c'est en train de continuer de s'étendre, donc on ira aller voir ça dans cet épisode. Et pareil, regardez cette base, il y a un phare qui a été fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un bateau également, je ne sais pas à qui ça appartient puisque la personne concernée reste mystérieuse, donc on ira voir tout à l'heure, peut-être qu'un panneau a été ajouté. Dans tous les cas, ce n'est pas la base de L7C Fox, je ne sais toujours pas où c'est qu'il est installé le bug. Mais en tout cas, voilà. Alors on va rentrer au chaud à l'abri dans notre demeure, dans laquelle c'est encore vide. J'ai ajouté donc les lumières telles quelles. La cuisine qui commence. Et pourquoi la pluie elle rentre là? C'est quoi cette histoire encore? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Je ne sais pas. La cuisine que j'ai commencé à faire hein, j'ai pas encore tout ce qu'il me faut. Mais voilà, j'ai mis les blast furnace, les fourneaux classiques ainsi que les smokers, avec des petites trappes en fer dessus. On mettra une petite table hein, j'imagine en mode cuisine, avec le frigo ici, la baie vitrée par là. J'ai fait un accès vers le bas, donc pour vous expliquer, avec donc la table d'enchantement ici. Et là, il y aura une grande baie vitrée. L'objectif, les amis, c'est de ne pas faire la même erreur que dans cette maison. On a fait une erreur dans cette maison, c'est qu'elle est super sympa, cette maison. Mais on sait, on a tout mis en bas. Et résultat, on passait tout notre temps en bas. Et on n'arrêtait pas de passer par... Vous voyez les portes là-bas, là? Vous voyez? Alors, on n'arrêtait pas de passer par là. Et on ne passait même plus par la porte d'entrée. C'est trop triste. Donc, je ne veux pas refaire la même erreur. Donc, clairement, on va vraiment s'établir en plein dans cette maison. Voilà. Je vous montre un petit peu le dessus également. Là j'ai fait une petite table avec voilà, comme ça je peux manger et voir ce que fait Théo Camillo. Le lit donc qui sera ici, la table de chevet avec le loom hein, ça fait une petite table de chevet. Et puis un petit escalier vers le haut avec voilà, ici il y aura les transats, tac, parasol également. Alors c'est pas terminé, on va juste faire ça maintenant. Malheureusement j'ai pas assez de laine de toutes les couleurs pour faire comme j'aurais aimé, mais c'est pas grave. Alors comment je fais? Comme ça. Là, je mets des ficelles. Hein. C'est pour ça que je suis allé à la salle à mob tout à l'heure. Hop. C'est ce qui va faire tenir la laine. Et faire donc un petit parasol. Hop, hop. Voilà. Tout pilassé en plus, c'est formidable. Donc, on a notre petit parasol. On va pouvoir bronzer en toute sécurité. Est-ce qu'on fera une piscine du coup? Je ne sais pas. C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas encore de réponse. Bien sûr, on fermera l'accès ici, on fera un truc pour pas que les voleurs puissent rentrer, ni même les monstres, comme l'avait suggéré Pylog. Donc voilà un petit peu pour ce qui a été fait, et donc vraiment l'idée ça va être vraiment de faire notre salle des coffres hein, globalement ici, et qu'on passe le plus de temps possible dans la maison, et non pas dans le sous-sol, de sorte à ce qu'on ne passe que par ces entrées-là. Parce que c'est vraiment une erreur, je trouve, ça a cassé le charme là-bas, c'est que la maison est vraiment cool, mais on passait tout notre temps en fait en souterrain, ce qui est vraiment relativement dommage. Donc là, globalement, quand on descendra... Ce sera pas pour aller à la salle des coffres, ce sera vraiment pour faire des enchantements, pour faire des trucs comme ça. Là j'ai mis la table de cartographie en attendant. Donc voilà, on va aménager un petit peu tout ça hein, parce que c'est le but de cet épisode, c'est d'aménager eh bien, un petit peu le sous-sol, de faire cette fameuse grande baie vitrée hein, tout simplement. On va voir comment on va faire ça.
Voilà, donc ça va pas être gigantesque en bas. Ça reste à voir. J'aimerais bien, en fait, ouais, dans cette idée-là, là, ce que j'avais fait en bas. Oui, on va peut-être refaire un truc comme ça. J'avais pas pensé. Ouais, ça peut être pas mal avec du dark, avec du bois dark. Ça peut être pas mal. Alors, je n'ai pas ça, donc on va aller chercher ce qu'il nous faut. On va en profiter également pour faire un petit tour quand la pluie se calmera. Hein, on va faire un petit tour chez nos amis pour voir un petit peu leurs avancées. Voilà, bon allez, on va chercher du coup du Dark Oak. En tout cas les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous kiffez un petit peu cette série. Voilà, hein, j'ai envie de vous dire, ça s'est calmé au niveau des épisodes. Voilà, on est loin du début de l'aventure, c'est sûr. Là vous voyez, je passe par là automatiquement et c'est bien dommage quoi. Donc voilà, je ne veux plus refaire cette erreur. Il me faut du Dark. Oh putain, mais on a ce qu'il faut, c'est incroyable. Voilà. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Comment j'avais fait ça? Attendez, on va vérifier. Alors bien sûr, voilà, il y a toujours des trucs à faire ici. Hein. En vrai, de vrai, je pense qu'on fera communiquer. Parce que la salle à mob, etc., c'est vraiment utile. C'est ça ce qui est cool. Hein. Évidemment, la maison, on va pas la détruire. Hein. Mais on fera un petit peu tout communiquer, je pense. Comment j'ai fait ça? J'ai mis des escaliers sur les côtés, des trappes d'or. Très bien. Ok. C'est ça, d'accord. Bah, on va essayer de faire un truc comme ça. On va essayer de faire un truc. Merde, on va essayer de faire un truc comme ça. Ok. Regardez-moi ce biome cerisier là, comment c'est incroyable, ça va être génial. Franchement, en bas, ça va être génial. En fait, on a toujours de quoi faire, hein. Vraiment, niveau projet, on a toujours de quoi faire. Donc, si jamais je ne sais pas quoi faire, ne vous inquiétez pas, normalement, il y a toujours un truc à faire. Juste que j'ai pas le temps et pas forcément la motivation tout le temps de jouer à Minecraft. Mais voilà, quand j'y suis quoi. Hop, on va monter. En attendant, n'oubliez pas de déposer le petit pouce bleu, hein, bien sûr. Ça m'encourage, c'est très important. Voilà. Est-ce qu'on prend tout de suite des fenêtres, des vitres? Bien sûr que je n'en ai pas, mais j'ai du sable, donc c'est pas grave. J'ai du charbon. Pas de charbon, mais j'ai du bois. Ah, la flemme. Bon, bah c'est pas grave. Hop, on va faire chauffer ça. Hein. Voilà. On va utiliser le bois qu'on peut. Hop, je vais déjà prendre ça. On va faire, on va pas faire coloré, je pense. On va faire en vitre blanche hein, directement, hein. Pour pas trop dénaturer tout le bazar. 20, bah, ça devrait suffire. 20. Ça devrait suffire. On va juste faire les trapdoors, donc les trappes. Hop, voilà. Je suis pas sûr que ça suffise. Oh là, j'ai fait faire une dinguerie. Voilà. Là, moi, je suis sûr que ça suffira. Allez, on va voir comment ça va donner. On va essayer un truc. Donc, moi, c'était vraiment là que je voyais la vitre, hein, pour le coup. Hein. Ouais. Donc, en gros. Ah ouais, mais là, je peux pas mettre de vitre. Bah oui. Je peux pas mettre de vitre par-dessus. Ça commence, les embrouilles. Bah dans ce cas-là, c'est pas grave. Dans ce cas là c'est pas grave. Donc on va plutôt mettre oh putain, ça s'est calmé d'un coup là. Il fait beau, il fait waouh. Avec le sunset là, le coucher de soleil qui se couche hein, bien sûr, c'est le principe. Ah bah voilà, c'est bon, j'ai la solution. Ah, ça c'est gênant. J'aimerais bien ne pas casser la stone parce que j'ai un peu la flemme. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, déjà là au moins on a la solution au problème. Donc on va faire un truc symétrique de sorte à ce que là, au coin bleu on est là, au coin bleu on est là. Hop. Alors le seul truc qui me dérange, c'est que, eh oui, ça fait un trou d'air ici. Aïe. Coup dur pour Guillaume. Ça c'est embêtant. C'est très embêtant, mais c'est pas grave. On va aller se faire foutre, parce que c'est comme ça que je veux que ce soit et pas autrement. D'accord. Hop, voilà, et là, oups, ah, j'ai vraiment usé des vitres pour pas grand chose, je suis un petit peu deg. Voilà, et puis là c'est pareil, on va du coup faire comme ça. Voilà, et donc en haut, on va casser. Et on va mettre les trappes d'or. Alors là ça va être compliqué, en plus il commence à faire nuit. Hop,
Voilà, on va voir deux jours comment ça va rendre. J'ai un petit peu peur, bien sûr. Du coup, je peux même pas rentrer. Je vais juste demander s'il est là, Roros, si on peut dodo éventuellement. Ce serait pas mal. parce que, en fait, ça fait depuis toute la matinée qu'on est là ensemble et tout. Moi, je me suis reconnecté. Et puis là, il m'a l'air relativement AFK. Donc, ça, c'est vraiment le problème des. Le problème d'être sur un serveur, c'est que quand les mecs sont AFK, eh ben, ça fout en l'air, en fait, un petit peu ta matinée, quoi. Parce que là, bah, en l'occurrence, voilà, je peux pas passer la nuit, quoi. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave, je vous reprendrai tout à l'heure. Voilà, Roros est toujours AFK, mais le soleil se lève. C'est bon ça. Bon, de retour. Je ne sais plus vraiment ce que je disais, ce que nous disions, mais ce qui est sûr, c'est que du coup, nous avons fait la baie vitrée, je crois. Ah oui, avec un petit souci apparent. Alors, si vous avez une solution pour corriger ça, je suis preneur. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit vraiment possible. Après, ça reste du détail. Ça reste du détail. J'ai envie de dire, limite, ça se voit même presque pas. Alors là, hop, voilà, je récupère ça. Ça se voit limite presque pas. Je pourrais faire le sol en spruce. Ouais, ça peut être pas mal ça. Voilà, juste j'en profite pour faire ça. Ouais, ça peut. En vrai, bah, le truc c'est que j'aime bien comment ça rend quoi. Mais fort ennuyeux pour la fenêtre. Mais ça fait des aérations. Ça fait des aérations. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, les monstres ne peuvent pas. Oh merde. Les monstres peuvent totalement passer. D'accord. Les monstres peuvent passer. Alors, ça se trouve, ils peuvent même pas passer. Il y a que moi qui peux passer, hein. Faudra faire un test. C'est sûr que là, c'est un petit peu ennuyeux. Bon, là, ils peuvent pas passer. Attends. Là, normalement, si tu fais ça, ils peuvent pas passer. Ouais, bon, enfin, ça reste quand même relativement couillon. Bon, du coup, dites-moi en commentaire quoi couper. Donc voilà. Ma pioche, par contre, elle va casser là. 152, ça va pas du tout ça. Hein. Elle a mending? Oui, elle a mending. Bon, bah écoutez, on va en profiter pour réparer la pioche. En fait, j'ai plein de poulets là-bas, n'oubliez pas ma ferme. Donc, on aura moyen de faire un petit peu d'XP, un petit peu de bonheur. Donc, voilà. Je vais directement faire le sol ici. Vraiment, je pense qu'on va même pas faire. On va même pas essayer de faire ça plus grand. Yo, Deso, j'avais pas vu ton message dans le chat. Je regarde des vidéos pour faire différentes fermes. Je t'ai envoyé le même message sur Discord. D'accord, ok, y a pas de soucis, Roros, le boss. Pas de soucis, Roros le boss. voilà. Alors, ça, c'est les piliers, les supports, bien sûr, de la baraque. Moi, ce que je dirais, c'est qu'on va faire la même chose ici et la même chose ici. D'accord? Voilà. Je triche, hein, j'économise tant que je peux. Et puis, nous allons. Voilà. Mettre les murs roses, hein. Bien sûr, il faut quand même que ce soit convivial là-dedans, dans ce bazar. Voilà. Bon, là, je vais en profiter. On sait qu'on n'ira pas plus loin derrière. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. On triche, hein, bien sûr, hein. On est là pour tricher. Voilà. Alors là, il y a un trou. Il y a un trou. Bah écoutez, ça va être un trou lumineux, hein, j'ai envie de vous dire, puisque regardez. Voilà. C'est toujours plaisant. Et puis là, pour pas que ça gêne les yeux. Hop, voilà, c'est cool ça. C'est pas mal ça. Hein. Ah, vous kiffez. Hein. Moi aussi, je kiffe. Du coup, ce qui peut être assez d'ailleurs amusant, c'est qu'en vrai de vrai, vu qu'il y a assez de hauteur, on est à la couche. Alors, j'avais fait ça comme dit en vidéo, mais la vidéo ne sortira jamais. Couche 102, sachant que la hauteur de la baraque en elle-même, c'est 111. Donc, on a de la marge. Limite, on peut faire un étage intermédiaire. Ça y est, je vais commencer à faire des dingueries. Avec un sol en bois, comme ça, juste au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours dans l'abus le mec. Non mais on sait jamais. Ça peut servir. Ça peut servir, voyez. Donc écoutez. On va faire gaffe à la pioche, hein. 99 coups, ça va vite. Voyez, là, cette hauteur. Tu vois? Donc là, tu mets du bois normal, hein. Là, j'ai ce que je n'ai pas. Tu mets du bois normal et ça te fait un. Ça fait le plafond d'ici. Hein, le plafond en dessous de bibliothèque. Et en même temps, ben, ça fait un sol au-dessus intermédiaire. Ça peut être pas mal, hein. Ça. Je sais pas si vous avez. Capter mon idée, ça peut être vraiment pas mal. Alors, pour vous témoigner de mon idée absolument formidable, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi prendre mes élytras ici. Je vais faire un tour dans la baraque là-bas pour récupérer du bois de chêne. Mais d'abord, on va juste réparer mending, donc élytras et pioche. On va peut-être en priorité réparer la pioche parce que la pioche, franchement, bah, on en a quand même relativement plus besoin que les élytras. Mais les élytras, par ailleurs, également, hein. Donc là j'ai pas de mending sur moi.
Voilà, autre que la pioche. Donc c'est parfait. Hop, donc je vais prendre la pioche dans ma deuxième main et je vais tout simplement, voilà, faire un maximum d'XP par ici. Et regardez ma pioche en bas à gauche. Comment elle va monter, mon pote? Je l'espère en tout cas, parce que ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah si, ça y est, ça commence à monter tranquillement. Voilà, on fait un maximum d'amour. Voilà, alors il faut un petit peu de patience. Patience et mère de vertu. Plus que 12 graines. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Voilà. Et on se retrouve avec, vous voyez, 345. On est passé de 99 à 345. Mais c'est pas fini! Regardez. Voilà. C'est ça qu'on aime. Et voilà. Et ma pioche, hein, on est quand même plutôt pas mal. Bon bah les élytras, ça attendra. Voilà, on va quand même laisser quelques poulets, hein. Ça donne pas d'XP. Donc on va pas tuer les bébés. Voilà. Bah, il y aura plus qu'à les faire reproduire, hein, vous inquiétez pas, ça va relativement vite. Donc ma pioche c'est fait. Mes élytras, eh. Hop. Voilà. Faut pas déconner, hein. Voilà. C'est de la boucherie, hein. Voilà. Je suis désolé pour les véganes. Voilà, je respecte tout le monde, hein. Bah voilà. Voilà. Ça c'est fait. On a réparé un petit peu nos biens. Et ça c'est cool. Bref, pourquoi j'ai des œufs? Ah, j'ai des œufs, c'est formidable. Alors attendez. Comme ça, peut-être qu'on va faire pop un poulet. Pas du tout. Pourquoi il lui lèche le cul? Lui, il est malade. Tu veux aller dans l'enclos des poules, toi? Attends. Voilà. Ça c'est fait. Bon. Rien à péter, moi, de ça. J'ai trop de bouffe. Bon, donc du coup... Ah, regardez cette belle petite maison, là. On va du coup récupérer du bois de chêne. Voilà, chêne. Je vais... voilà, on s'en fout de toute façon. C'est absolument dégueulasse, mes coffres. Comment ils sont foutus? Comment ils sont rangés? Voilà, dac, boum. On va voir. Voilà, on va un petit peu aménager le bas, hein, puisque de toute façon, j'aime bien faire un petit peu en off. Je m'en suis rendu compte, hein, mais j'aime bien voilà, chiller en off. Pour faire un petit peu de la décoration, ou alors faire ça à la limite en live. C'est vrai qu'en vidéo, bah en vrai, ça a pas grand intérêt, hein. Je dis ça, je vous l'assure, hein, vraiment. Du coup, j'ai pas de place dans mon inventaire pour faire les crafts que je désire. Donc voilà, on va lâcher un petit peu de tout ça. On va faire donc planches en bois comme ça. Et puis comme on est un petit peu des radins, on va faire des ox slabs directement. Voilà. Et donc là, vous voyez, ça va être formidable. Ça va être formidable puisque hop, voilà, vous avez vu, c'est la même matière. Mais est-ce que je peux poser des trucs dessus? Oui, c'est bon, je me suis pas trompé, parce que des fois tu te trompes avec les slabs. Voilà, et donc c'est super sympa. Ah non, mais c'est pas comme ça que j'imaginais. Ah bah si, mais c'est pas grave. Mais du coup, on mettra d'autres bibliothèques, hein. On refera d'autres bibliothèques, hein, pour faire ça bien. Bien sûr. Voilà, comme ça on a assez de hauteur, vous voyez. Donc là, voilà, je peux déjà faire le plafond, je creuserai par la suite. Voilà, c'est sympa, hein. Ah, c'est sympa. Ça va être très sympa, les amis, ici. Mais faut pas que ce soit non plus trop sympa, sinon on va passer tout notre temps en bas et c'est pas le but. C'est pas le but. Voilà, donc là, je casse, tac, tac, tac. Là, j'arrangerai l'acacia pour voilà, faire un petit accès sympa. Mais pas trop non plus, t'as compris la problématique, hein. Voilà, donc je reprends Oxlab. Hop, voilà, ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal par ici. Voilà, j'agrandis un petit peu, hein, le bazar. Hop, hop, voilà. Là, bonjour, je mets ça. Là, de toute façon, il y aura de la bibliothèque, donc c'est bon. On n'a pas besoin de se poser de questions. Voilà, là, ce sera de la bibliothèque, donc c'est parfait. Je vais mettre une petite lumière en attendant, hein. Voilà, donc là on aura un petit accès sur le dessus, hein. Vous voyez, à chaque fois là je creuse, on a toujours le sol en bas. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais là on va faire la priorité, parce qu'on dit chaque chose bien sûr en son temps. Est-ce que je peux encore creuser là? Bien sûr. Ah ouais. Alors on va pas faire une double baie vitrée, je pense, hein. Là on fermera, je sais pas encore qu'est-ce qu'il y aura là. Mais ce sera certainement pas une salle des coffres, hein, je vous rassure. Donc là chaque chose en son temps, prioritaire
priorité au direct. Donc là, on va juste voilà faire hop les murs pour que ce soit convivial, bien sûr, parce que sinon ça va être terrible. On va faire les murs roses parce qu'on aime le rose par ici, hein, bien sûr. Vous l'aurez compris, les cherry planks, les planches de cerisier, bien sûr. Voilà, tout de suite là, c'est plus sympathique. J'ai envie de te dire. Voilà, je suis un petit peu folichon moi là, hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Hop, voilà, on va faire des planches, hein, nickel, hein. On a de la tunasse par ici. Hop, impec. Pour la hauteur par contre, je ne sais pas combien on va faire. Donc pour le moment, voilà, on va faire comme as. Ça ira très bien. Ok. Attends, là on va économiser, hein. Il faut pas exagérer des bonnes choses non plus, hein. Voilà. Je suis pas non plus trop bon, trop con, hein. Je l'ai été, il fut un temps, maintenant c'est fini. Oh bah voilà. Non, non. Hop, tu reviens toi. T'es à moi. Le mec il est possessif sur les loot. Voilà. Et bah tout de suite ça rend sympathique là tout ça. Là ce qui se passe c'est quand même formidable. Donc là on peut constater la hauteur. La hauteur du coup, est-ce que j'ai... Oui j'ai encore de l'acacia. Hein, comme ça on va pouvoir faire... quelque chose comme ça. Tu vois. Hop, là on se cogne. Là on se cogne. Ça me plaît pas. Voilà. Tac tac. L'idée c'est qu'on se cogne pas. Voilà, là je me cogne à la limite aux lanternes. Non, c'est bon, ça passe. Impec. Voilà, donc là c'est parfait. Hein. Comme moi finalement, je suis parfait. Hop. Hop. Voilà, j'espère que vous kiffez. Hein. Alors, si vous kiffez pas, c'est pareil. Hein. Oh le mec. Voilà, ça c'est fait. Tac, boum boum, bim boum, bim boum. Bon. Là pareil, on va se cogner la tête, donc on va un petit peu voilà, élargir, hein. Je parle bien élargir, attention tout de même. Je reprends l'acacia et je vais la foutre dans tes fesses. Comme ça. Et là normalement, je dis bien normalement, on se cogne pas. Voilà, on se cogne pas, c'est impec. Puis là on avisera parce que j'avoue je sais pas encore comment faire. Mais je voulais vraiment juste au moins faire le premier accès ici. Est-ce que les monstres passent? Il fait nuit, on peut faire le test, attendez. On va faire le test. C'est important, hein. Comme dirait le rêveur dans la nuit. Et puis après, on ira voir les bases des copains, bien sûr. C'est important d'aller voir les bases des copains. On est bien, ces copains. Alors, ils sont où les méchants, là, les vilains? Prout, prout. Eh, les prout, prout. Où c'est... Ah! Oh, j'ai regardé un Enderman. J'ai eu de la chance. Bon, l'araignée, elle passera pas, ça c'est sûr. J'en ai rien à péter, moi, de l'araignée. Moi, j'aimerais bien un zombie, un squelette. Alors, peut-être pas un creeper, hein. Éventuellement, voilà, il y a un zombie là, il m'a vu, c'est bon. Il m'a vu le zombie, il arrive. Attention, âme sensible, s'abstenir bien sûr parce que... Eh bien, ça fait peur, tout simplement. Voilà, Minecraft, ça fait peur. Regardez comme c'est beau la montgolfière avec la planète derrière. J'avais fait un petit screenshot sur Twitter, hein, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Hein. C'est vraiment sympa Twitter, parce que vous pouvez tweeter. Allez, viens par là. Voilà, surtout, prends ton temps, c'est important. Oh là, il va vite en fait. Voilà, donc on va aller ici. Et là, ça va être le verdict. Est-ce qu'il passe? Oh! Eh mon ref! Eh oh! Ah, il passe pas! Il passe pas, c'est bon. Regardez. Ben nulos. Il passe pas. Impec. Limite, il me voit pas, tu vois. Ah, c'est impec. Bon, évidemment, le squelette peut te tirer dessus, mais tant qu'il rentre pas... Attends, on va essayer d'insister, regarde. Donc là, il peut me taper, bien sûr. Normal, hein. Voilà, viens voir. Eh oh. Viens voir, trou de balle. Tu vois, il arrête. Ah, c'est excellent. Bon, bah, c'est cool. Du coup, au moins, on est... Voilà, on est relativement safe. Et moi, du coup, je peux même... Mais c'est trop bien. Ça fait une sorte de trappe à mob. Ok, cool. Eh bah, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, je suis assez ravi, je suis content. Voilà, j'ai envie de dire, sucer cet homme, hein, finalement. Ah, ça fait plaise. Ça fait plaise. Bon, bah voilà, c'est une belle avancée extraordinaire, j'ai envie de dire. Et là, je peux pas passer par contre. Ah si, je sneak. Voilà, si on sneak, c'est bon. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas, hein, à prendre mon 07 pour
pour sneaker. Du coup, on va tout simplement voir les bases des copains directement, sans plus tarder, puisque voilà, les décorations, je ferai ça en off. On va juste dodo un petit peu. J'espère que Roros est toujours d'attaque. Ah, merci à tous, j'ai éternué. Voilà, merci beaucoup. Du coup, on va directement commencer par la base de Théo Camillo, hein, qui est en face de nous, bien sûr. Hop, est-ce que je prends les élytras? Bah, j'ai pas de fusée, donc ça sert à rien. Hop, on va y aller à Yep. Y a pas de problème à ce niveau-là. Y a peut-être un easter egg dans la montgolfière, qui sait. Mais bon, on va peut-être pas tenter de monter, c'est chiant. Comme dit, je n'ai pas de fusée. Si jamais, j'en piquerai chez Flo, hein. Voyons voir du coup chez Flo. On a bien sûr l'autre base là-bas, également de l'X. L'X. Donc il nous a mis des petits arbres de cerisier. Est-ce que c'est des arbres custom? On dirait bien. Pas du tout, non, c'est des arbres vraiment plantés pour le coup. Très bien, il a fait une frontière, il a fait une barrière, une sorte de barrage cerisier. D'accord, donc c'est une idée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah non, mais il est en train de faire un pont en fait. J'avais pas compris, il est en train de faire un pont. Je pense que c'est un pont. Merci de refermer derrière vous. Ah, c'est ça, il est en train de faire un pont. Très bien, c'est une très bonne idée. Évidemment, ce n'est que le début. Nous avons des lamas, bien sûr, avec un visiteur qui doit être par là. Chez Théo, bienvenue, il y a plein de bateaux. Viande, soupe, dessert. Ah, l'Ostendaise. Bar, restaurant, énorme. La petite transat, carrément il a fait avec du cuivre. Salut mon ref. Que de la merde toi, ce que tu proposes. Ok, vas-y, va là-dedans pour voir. Hop, par ici, voilà. Hé, hey, serre-moi à boire. Oh, d'accord, donne-moi du lait. Donne-moi ton lait, M-dame. Ok, des petites, voilà, petites tables. C'est bon ça, très très bon. Ok, par ici. Bah voilà. Salle de bain, toilette. Bon, ça on avait déjà vu l'intérieur, mais c'est surtout l'extérieur, vous voyez, qui a été vraiment aménagé. On va quand même regarder l'intérieur un petit peu. Donc ça, on sait. Il a fait un damier ici. Salle de jeu. Ouais. Coin, salon, lecture. Chambre d'amis. Ah, c'est pas terrible ici, hein. C'est le mec. Non, je rigole. Voilà. Toit, terrasse. Oh. Chine, c'est joli, hein. Avec un petit jardin derrière, un petit jardin avec tout type d'arbres. Oh là, guette-moi le troupeau, ouais. Ah ouais, il nous a fait un joli petit troupeau là. Eh ben c'est nice. Voilà, t'es au camion, j'ai hâte de voir la suite encore. Venez les vaches, on libère les vaches. Je rigole, hein, bien sûr, je ne ferai pas ça. Je ne suis pas un salaud. Enfin pas à ce point. Eh, regardez ma maison, on la voit de loin quand même, hein. Alors je parle bien de la belle, hein, la bleue. Pas là, celle de la côté, hein, bien sûr. Voilà, allez, voyons voir maintenant. Je vais lui piquer un petit bateau. Bah, on va prendre un petit bateau en cerisier, tiens. C'est toujours sympa. Faites des radeaux en bambou, les gars, c'est trop stylé. C'est trop stylé, les radeaux en bambou, là. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? C'est super bien étendu. On a de la canne à sucre. Respectez cette réserve naturelle. Rien à péter, moi, de ta réserve naturelle. Je sais même pas t'es qui. Voilà, rien à péter, moi. De toute façon, je vais crafter un bateau en rondou, en bambou. Ok, on sait toujours pas à qui ça appartient, mais c'est super chouette. Je sais toujours pas où est l'entrée, mais je passe par là. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, il a fait des petits chemins. Voilà, on a des tournesols. Ah, réserve naturelle. Ah oui, la réserve naturelle, la fameuse. D'accord. L'atelier du jardinier. Ah, c'est chic. Toilette. On a des toilettes? Ah ouais, il a fait les toilettes au fond du jardin. Mais tu fais pas des toilettes dans une réserve naturelle? C'est complètement débile. Super joli, hein. Il y a un panneau là-haut. Je pense que c'est pour dire réserve naturelle. Parce que le mec qui a fait ça, et c'est super chouette, et ben je crois qu'on ne saura jamais c'est qui. Voilà. Je sais pas du tout s'il regarde les vidéos, mais je sais pas du tout c'est qui fait ça, hein. C'est assez frustrant. Le petit port, ça n'a pas bougé. Très bien. Voilà, très bien, c'est joli, hein. C'est joli, c'est joli. Bon. Ah. Merci de votre visite. Ah, il y aura peut-être le nom. Attention. Propriété de Vasse.
danger, propriété de Vaas dans Far Cry 3? Ah, attends, réfléchissons aux acolytes qui jouent à Far Cry 3. C'est pas Lydid? Non, c'est pas Lydid, parce que Lydid il a dit qu'il s'était, qu'il avait encore rien fait et qu'il s'installait super loin. Donc ça c'est pas Lydid. Mais putain, mais ça peut être qui parmi mes acolytes? Oh, ça me stresse! Je sais pas qui a fait ça, venez, je monte dans le phare. Hauteur 46 mètres. 1834. Mais qui a fait ça? Plage tortue. Respectez les lieux. Ça m'excite! Je ne sais pas qui est le responsable. Ok, vas-y, je vais monter dans le phare. Alexandrie! Alexandra! J'ai pas d'Alexandre sur le serveur, donc déjà, on peut enlever cette hypothèse. Putain, mais y'a qui est invité sur le serveur pour avoir fait ça? C'est pas possible. Aurélien? C'est pas Aurélien qui a fait ça. Il l'aurait dit. Ah, c'était Aurélien? C'est vrai, je sais pas où il est installé, Aurélien. Oui, mais quand c'était déjà apparu, il avait dit qu'il s'était pas encore installé. Donc, my goodness, il est là-bas, ça bouge pas. L7C Fox, il est apparemment à l'opposé. Oh, trop stylé. Putain, mais c'est un génie, le mec qui a fait ça, ouais. Très, très bonne idée. Bah voilà, bah, je sais toujours pas à qui ça appartient. N'hésitez pas à dire en commentaire, hein, si vous avez des idées, les gars. Jouez avec moi, hein. N'hésitez pas à dire si vous avez une hypothèse de qui a fait cette beauté, hein. Je parle pas du chat beauté, bien sûr. Bon, on va aller en profiter pour aller voir la base de l'X, voir si c'est un petit peu bougé ou pas. Comment je fais pour venir, moi, là? Putain, y a pas de porte, y a qu'une seule porte d'entrée, c'est horrible. Bah voilà, on va faire le tour par ici, très bien. Très très bonne initiative de la part du joueur français. Là également, il y a des lamas. Ils ont tous séquestré des lamas, quoi. Ah oui, c'est ça, respecter cette réserve naturelle. C'est exactement ça. Bah vas-y, j'ai tendance à dire que c'est Aurélien. Mais en même temps, le doute m'habite. Le doute m'habite. Ça c'est ouf. Eh, vous vous souvenez que là, il n'y avait rien. En vrai, je suis en train de réfléchir, de réaliser. Ici, il n'y avait rien. Il y avait juste une ruche d'abeilles dans un arbre. Voilà. C'est absolument dingue de se dire ça. C'est absolument incroyable. Allez, on va traverser le rivage. Et on va aller voir encore la demeure de Lix. Je crois qu'il s'est pas reconnecté depuis, donc je pense pas qu'il y a grand chose. Et puis on va s'en arrêter là pour cette vidéo, hein, si je puis dire. N'hésitez pas à aller regarder sur la chaîne de Lydid. Il va faire des petites vidéos de temps en temps. En tout cas, pas de manière régulière, mais de temps en temps, il va faire des petites vidéos sur le serveur. Et pas que, hein, il fait d'autres vidéos Minecraft, il fait d'autres let's play sur Minecraft. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller checker. Moi, ça me fera plaisir, ça lui fera plaisir également. Donc voilà, je l'embrasse, Lydid. Donc là, c'est chez Lix. Bah, je crois qu'il n'y a pas de nouveauté. Mais où c'est qu'il serait, L7C Fox, là? Je comprends pas. Je comprends pas, L7C Fox. Où est-ce que t'es? Il a confondu, il est sur Grand Utopia, il est pas sur Madventure. Hein. Hop. Voilà, cette belle demeure ici, là. Vraiment sympa. Vraiment cool. Non, là, il n'y a pas de nouveauté. Pas de nouveauté. Bon bah écoutez, trop cool. En tout cas les amis, encore une fois un grand merci à OMG Serf pour leur confiance. Vraiment, c'est les frérots, c'est, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à checker en description. N'hésitez pas à mettre un commentaire, vraiment. Le petit like également, c'est gratuit. Ça prend, j'allais dire 2 secondes, mais c'est pas vrai. Ça prend 1 seconde. Alors allez, si vous avez pas beaucoup de connexion, peut-être qu'il peut y avoir un petit lag. Mais allez, ça prend 1 seconde pour mettre un petit like. Donc vraiment, n'hésitez pas. Nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve tantôt. Voilà, je suis en train de checker, hein, si on peut trouver la base de Fox en même temps. Mais que nenni, il n'en est rien. Allez, des bisous, c'était Mkolo. Ciao tout le monde.